Gloire à Dieu. Prions ensemble avant l'étude. Père, nous te remercions de nous rassembler ce soir. Merci pour l'étude biblique. Merci pour ta parole qui demeure toujours nouvelle. Nous te remercions pour le nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, qu'au nom de Jésus-Christ, que tous genoux fléchissent ce soir. Et que toutes les puissances contraires soient chassées du milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Que tout le monde soit béni. Que tout le monde soit délivré. Qu'il y ait l'autorité pour tout le monde. Quel que soit ce que nous lions ici sur la terre, que cela soit lié au ciel au nom de Jésus-Christ. Affranchis tout le monde. Confirme ta parole dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous les bienvenus à l'étude biblique de ce soir. Je prie que le Seigneur nous accorde un cœur ouvert, les yeux ouverts, l'esprit ouvert pour recevoir tout ce que le Seigneur nous révélera au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir Marc chapitre 5. Nous étudions du verset 1 jusqu'au verset 20. Que je commence avec le verset 1. Marc 5, 1. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer. Arrêtons-nous là un peu. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer. Que je vous fasse ramener à Marc 4, 35. Marc 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Oui, vous reliez cette portion au chapitre 5, verset 1. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer. Le Seigneur a donné la parole. Il a déclaré la parole. Et quel que soit ce que le Seigneur a déclaré, est un décret. Il en est de même aujourd'hui. Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et quel que soit ce que le Seigneur a déclaré dans votre vie, alors devient un décret. Et comme le Seigneur a fait cette déclaration, il a posé ce décret, la tempête a surgi. Entre le temps de la déclaration et la destination, il y avait une tempête. Mais la tempête n'a pas pu arrêter, empêcher la déclaration du Seigneur Jésus-Christ. Dans votre vie, dans ma vie, dans l'église et dans votre famille. Entre la déclaration et la destination, aucune tempête ne peut révoquer la parole du Seigneur dans votre vie. C'était impossible. Cela demeure impossible ce jour. Que Satan fasse émerger une tempête, une crise, un problème qui puisse totalement annuler, invalider, détruire ou bien supprimer la déclaration du Seigneur Jésus-Christ. Comme ils arrivaient à l'autre bord, qu'est-ce qui était arrivé dans le chapitre 5? Il y avait un cas démoniaque qui attendait. 2, il y avait des maladies à guérir. 3, il y avait la mort à supprimer à cause de ce triple problème, les démons, les maladies et la mort qui doit régler, résoudre ce problème. C'est pourquoi la tempête a surgi. Mais Dieu merci, votre tempête a pris fin. Et comme ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, alors il y aura maintenant la démonstration de la puissance contre les démons, contre les maladies et contre la mort. Ce soir, nous allons voir la première partie. La puissance et l'autorité de Christ sur tous les démons.
Ça, c'est le thème de ce soir. La puissance et l'autorité de Christ sur tous les démons. Dans ce chapitre 5, du verset 1 au verset 20, nous allons voir trois points. Numéro 1, l'autorité de Christ sur tous les démons. L'autorité de Christ sur tous les démons. Numéro 2, l'antagonisme contre Christ après la délivrance. Il a délivré l'homme là. Ces démons sont rentrés dans les ports et ces ports, ces pourceaux se sont noyés dans la mer. À cause de cela, tous les gens qui ont vu cela ont dit, mais ne reste pas avec nous, va-t'en, on ne te veut pas ici. Il y avait l'antagonisme contre Christ après la délivrance. Troisième point, un ambassadeur pour Christ à travers toute la décapole. L'homme là qui était délivré, l'homme là qui était affranchi, le voudrait suivre le Seigneur dans le chemin. Le Seigneur a dit non, rentre chez toi, va dire à tes amis, va dire à tout le monde dans toute la décapole, va dire à tes amis partout et les gens qui m'ont rejeté, les gens qui ne vont pas m'accueillir parce qu'ils ont perdu leur pourceau, ils aiment leur pourceau plus que leur salut, va leur dire la bonne chose, la grande chose et la chose gracieuse que le Seigneur a faite dans ta vie. Alors, il est devenu un ambassadeur pour Christ, un ambassadeur pour Christ à travers toute la décapole. Alors, revenons au premier point. L'autorité de Christ sur tous les démons. Nous lisons du verset 1, Marc 5, 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyaient dans la mer. Christ a l'autorité.
Christ a la puissance. Et cette puissance demeure la même aujourd'hui que quand il dit « va », un seul mot, tous ces démons, des milliers de démons, une légion de démons, et puis il entrait dans ces 2000 pourceaux. Et tous ont péri. Comme on voit ceci, je vois le numéro 1 ici, l'activité et les caractéristiques des démons. Comme on voit Marc 5, vous avez cet homme au verset 2 qui dit qu'il avait sa demeure dans les sépulcres. Il ne vivait pas dans la maison. Le diable l'a chassé à un lieu de ténèbres, à un lieu des esprits méchants. Et c'est dit à la dernière partie du verset 2 qu'il était possédé d'un esprit impur. Verset 3 disait qu'il avait sa demeure dans les sépulcres. Il s'était séparé de la société. Il ne vivait pas avec la société parce que les démons ont fait de lui de ne pas être compatible avec la société. Y a-t-il des gens de cette manière, des gens qui ne peuvent pas rester en paix avec les gens? Soit ils créent, soit ils font des passages, des tapages, du tapage où ils se meurtrissent, ils se font du mal parce qu'ils ne sont pas compatibles avec la communauté des gens. Non seulement ça, il a une puissance surnaturelle. Il a été lié avec des chaînes et des liens, mais il n'y a rien qui puisse le lier. Il rompait tout. Vous savez, il y a de pareils gens qu'on essaie de lier, qu'on essaie de calmer, mais on ne peut pas parce qu'il y a un esprit mauvais, un démon qui prend le contrôle de sa vie. Et voyons la dernière partie qui disait que personne n'avait la force de le dompter. Vous voyez, il y a des gens qui sont au-delà d'eux-mêmes. Ils voudraient se contrôler, mais ils ne peuvent pas. Il y a les autres qui veulent les dompter, mais ils ne peuvent pas. Il y a d'autres qui veulent les calmer, mais ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a un autre pouvoir agi dans leur vie. Alors, ce sont eux qui vont dire que, alors je veux me calmer, mais je ne peux pas. Je veux rester calme, mais je ne peux pas. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a personne qui pouvait les dompter. Et c'est dit au verset 5, il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre et sur les montagnes. Il était chômeur, il a abandonné la profession, il a abandonné tout, il est allé à la montagne et il était comme ça, criant, se maîtrisant, se blessant, se faisant du mal. Il éprouvait la douleur, c'est pourquoi il criait. Mais tous les cris et toutes les douleurs ne pouvaient pas l'empêcher. Il se maîtrisait, se faisait du mal, se coupait. Et se criant et se maîtrisant avec des pierres, ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. Le verset suivant dit, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Ouais, ceux qui ont une double personnalité, d'une part, ils courent vers Jésus comme ils voudraient quelque chose de Jésus. Mais arrivés à Jésus, maintenant, ils vont commencer à dire, qu'est-ce que j'ai avec toi? Alors, quitte-moi. Alors, ce n'est pas l'homme là, c'était le démon là qui parlait. Parfois, on voit des gens comme ça, les gens voudraient faire du bien. Ils viennent à l'église, ils disent qu'ils viennent à Christ. Et même, ils courent. Je ne dois rien rater. Au culte, arriver à l'église comme ça, alors ils vont devenir une autre personne. Alors ils vont commencer à crier. Alors qu'on ne veut pas la Bible, on ne veut pas l'enseignement de la parole de Dieu. Mais c'est toi qui courais que tu venais à l'église. Et maintenant que tu es venu, maintenant tu es devenu une autre personne. Alors c'est une autre personnalité. Jésus a dit, et sort de lui, quelle que soit la personnalité qui chasse, qui pousse quelqu'un, qui distrait quelqu'un, la personnalité là va sortir ce soir au nom de Jésus-Christ. Marc chapitre 9, verset 17. Marc 9, verset 17. L'activité et les caractéristiques des démons. Et Marc 9, 17. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet.
en quelque lieu qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu voir celui-ci. Il n'était pas comme l'autre là qu'on a lu parce que les caractéristiques des démons diffèrent d'une personne à une autre personne. Celui-ci grince les dents, écume, celui-ci raidit sa langue et il meurt comme ça. Parfois il va tomber dans l'eau, parfois il tombe dans le feu. Et race incrédule leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous, jusqu'à quand vous supporterez-je, amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence et tomba par. Il va commencer à s'agiter. Il y a des gens qui s'agitent, qui se font du mal, et des gens qui se meurtrissent, des gens qui se blessent. Ce ne sont pas eux, c'est le démon. Et c'est dit ici que il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Viens, aie pitié de lui, de moi, de sa mère, de la famille, et viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Cette nuit, tout est possible à tout le monde qui croit au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Luc chapitre 8, les activités, l'activité et les caractéristiques des démons. Luc chapitre 8, verset 29. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et des fers aux pieds. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Il courait sans que personne le poursuive. Il a vu une nouvelle personnalité, un pouvoir maléfique, et il courait vers le désert. Mais Jésus pouvait résoudre le problème. Et Jésus va résoudre nos problèmes. Et Jésus va résoudre mes problèmes. Il le fera au nom de Jésus-Christ. L'autorité de Christ sur les démons. L'autorité de Christ sur les démons. Alors, verset 8. Verset 8. Il dit, sors de lui. Car Jésus lui dit, sors de cet homme, esprit impur. Marc 5, 8. Et lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Ils étaient un millier. Et ces milliers de démons avaient de diverses caractéristiques. Il y a des gens qu'on voit aujourd'hui, il y a une caractéristique qu'ils exhibent, un autre jour, une autre chose négative. Mais je ne peux pas comprendre. Ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. C'est à cause de la diversité, à cause de ces démons dangereux qui opèrent dans cette vie. Aujourd'hui, vous en êtes affranchi. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Est-ce que vous remarquez le langage là, verset 10. Et il, singulier, c'est l'homme là qui parlait ici. C'est le chef des démons là qui parle là-bas. Et il le priait instamment. Il priait Christ de ne pas
qu'est-ce qui suit les au pluriel? C'est-à-dire que lui, le chef démon, mais le chef des démons, le prince commandant démon, celui qui contrôle les autres, alors priez le Seigneur de ne pas les chasser maintenant en leurs milliers hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons au pluriel, en milliers, le priaient Christ, disant, envoie-nous au pluriel dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Comment le comprenez-vous? Alors, ils auraient préféré rester dans l'homme là. L'homme là est un meilleur hébergement pour eux, une bonne demeure pour eux. Mais si tu vas nous chasser, notre priorité principale sera d'être dans les animaux et dans les pousseaux et non de vagabonder dans les airs. Et il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrer dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Ouais. L'esprit là qui, comme les esprits là poussaient l'homme, maintenant il poussait les pousseaux là aller dans la mer. Il en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Jésus a la puissance. Et aujourd'hui, il a toujours la puissance. Et sa parole sort toujours avec autorité, avec puissance. Venons au chapitre 9. Chapitre 9, je lis verset 22. Chapitre 9, 22. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus peut-il faire quelque chose dans votre vie? Jésus peut-il faire quelque chose dans votre famille? Jésus peut-il faire quelque chose dans la personne qui fait votre souci? Jésus peut-il faire quelque chose? Il le peut et il va le faire. Et Jésus lui dit, et si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, je te commande, je te tense, sors de cet enfant. Et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit. Mais vous le ferez. Je dis vous le ferez. Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? L'habileté de chasser les démons. Nous allons à Marc, chapitre 16. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Y a-t-il de croyants à l'église aujourd'hui? Y a-t-il de croyants à l'étude? Voici les miracles qui accompagneront
ceux qui auront cru en mon nom, dites-le moi. Est-ce que vous êtes allé dormir? Je dis, dites-le moi en mon nom. Dites-le comme si cela va se passer en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Ils saisiront des serpents. Amen. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Donne-moi un bon amen. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. L'habileté de chasser les démons. Pour chaque croyant, frère, chaque sœur croyante, cela va se passer au travers de vous. Luc chapitre 10, verset 17. Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Même, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Cela va se passer. Nous allons au deuxième point. Nous lisons dans Marc. Marc 5. Nous lisons le verset 12 jusqu'au verset 17. Marc chapitre 5, verset 12. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans les pourceaux, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion. Remarquez bien cela. Il était possédé, alors, assis vêtu. Celui qui était possédé. Ouais. Et on a dit que celui qui avait eu la légion, des milliers de mois en lui, maintenant s'est vu assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Deuxième point ici, c'est l'antagonisme contre Christ après la délivrance. Oui, ceux qui ont vu et qui ont témoigné, qui étaient les témoins oculaires de la délivrance du démoniaque et la noyade des pourceaux, ont accouru dans la ville et ont dit, mais comment se fait-il que tous les pourceaux sont totalement détruits? Oh, mais vous avez cette question en vous. Comment se fait-il que Christ, aidant un homme, permette que 2000 pourceaux soient détruits? Ouais, vous savez, les enfants d'Israël, les Juifs, ne sont pas permis. Alors, ils ont reçu l'interdiction de manger le pourceau, le porc. Ne pouvaient pas manger le porc. Comme ils ne mangent pas le porc, ils ne doivent pas
élever les porcs, les pourceaux et les commercialiser. Donc, c'est un tabou pour eux, c'est pourquoi le Seigneur a permis que les œuvres, l'œuvre légitime qu'ils faisaient, ouais, périssaient avec la délivrance de l'homme là. Non seulement ça, et l'âme de l'homme là est plus valable, plus que tous les pourceaux du monde. Que profitera-t-il à un homme? Que gagnera-t-il un homme s'il gagnera tous les pourceaux, s'il aura tous les pourceaux du monde et perdra son âme? L'âme de l'homme là est plus grande que les pourceaux. C'est pourquoi cela est arrivé, mais les gens n'ont pas compris. Et à cause de leur manque de compréhension, et alors ils ont plus de valeur sur les pourceaux plus que l'âme de l'homme là. C'est pourquoi ils ont chassé Jésus. Ils étaient antagonistes à Jésus. Il dit qu'on ne te veut pas dans notre communauté ici. Nous allons voir trois choses ici. Numéro un, une claire libération du pouvoir des démons. L'homme était délivré de l'emprise du diable. Et c'était très clair. Voyons le verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. C'était une claire libération. Lorsque Dieu touche votre vie, comme il le fera cette nuit, alors ce sera très clair, très net, partout où vous allez. Lorsqu'on est réellement converti, il y aura une nette démonstration de cette conversion, de cette libération. On va aux Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, je lis le verset 20. Éphésiens 4, nous lisons le verset 20. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, et quelle est l'évidence que vous êtes libéré, converti par lui, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. L'homme-là a été renouvelé. L'homme-là est devenu une personne en repos, une personne qui a connu le calme. C'était une claire évidence de la libération. Lorsque vous êtes renouvelé dans votre esprit et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est l'évidence que vous êtes totalement libéré. Les anciennes choses étaient passées. Une nouvelle vie est visible dans votre caractère. On va à 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Je lis verset 13. 1 Pierre 1, 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Oui, et votre ancienne violence n'est plus, votre ancienne désobéissance n'est plus, une nouvelle vie est venue. C'est la nouvelle vie là qui montre une claire, nette libération de votre passé. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Numéro 2. L'amour consumant, l'amour ardent pour leur pousseau. L'amour ardent pour leur pousseau. Marc 5, verset 16. L'amour ardent pour leur pousseau.
Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors il se mit à supplier, il se mit à le pousser. Il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Il aimait les pourceaux interdits plus que le sauveur, plus qu'il n'aime le sauveur. L'amour ardent pour l'interdit. On va à Lévitique chapitre 11, verset 7 et verset 8. Lévitique 11, 8. Vous ne mangerez pas le porc. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Le pourceau ou le porc, vous êtes impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. On voit ces Israélites, non seulement qu'un individu ne doit pas manger, mais ils ont formé une société et puis une profession à faire, une profession, une société pour produire ce que le Dieu Tout-Puissant a prohibé. Maintenant, ils ont un amour ardent pour ces pourceaux. Quoique la délivrance soit donnée à l'homme, là, ils chassaient Jésus de cela à cause de l'amour pour les pourceaux. Les pourceaux, ils aimaient les porcs ou les pourceaux plus que leurs âmes, plus que le sauveur, plus que leur sauveur. 3. L'amour coûteux de leurs âmes. L'amour coûteux de leurs âmes. Et Marc 5, 17. Alors, il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Et que leurs âmes peuvent se perdre, que ça va, qu'ils peuvent également perdre leur âme parce qu'ils ont perdu leur pourceau. Alors, la perte coûteuse de leurs âmes. Marc 8, 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde si perd son âme? Oui, s'ils pourraient gagner tous les pourceaux dans le monde, s'ils pourraient garder tout l'élevage, tout l'argent du monde, et vous perdez votre âme, quel est votre gain? Pour ces gens, ils n'ont pas considéré la perte de leurs âmes. Voilà le verset 37 qui dit: et que donnerait un homme en échange de son âme? Il y a des gens qui aiment les biens matériels plus que le salut. Ils aiment les choses terrestres plus que leur âme. Et ils périssent. Je prie que vous ne périssiez pas. On va aux Philippiens 3. Philippiens chapitre 3, verset 18. Philippiens 3, 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Il y a des gens qui ne sont pas conscients d'avoir une âme à sauver, un ciel à aller, un enfer à échapper. Et l'apôtre dit que je pense à ces gens, je pleure, je parle de ces gens et je verse des larmes. Et lorsque je médite au sujet de leur destinée, de ce qu'ils se font, chaque fois que je pleure, que leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait la gloire de nourrir les pourceaux, de faire ce qui est honteux
ces gens n'embrassent que les choses terrestres. Je prie que cela ne vous arrive pas. On va à Marc. Troisième point là-bas maintenant. Un ambassadeur pour Christ à travers toute la décapole. Un ambassadeur pour Christ au travers de toute la décapole. Nous lisons de Marc chapitre 5, verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas. Mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Dieu vous utilisera dans notre ville. Dieu vous utilisera partout où vous allez. Le Seigneur vous utilisera au nom de Jésus-Christ. Il est devenu un ambassadeur. Un ambassadeur pour Christ au travers de toute la décapole. La décapole, ça, décapole veut dire, un groupe de 10 districts. Si un nouveau converti, un homme nouvellement délivré, le district est ce groupe de 10 districts. Cet homme allait publier la parole de Dieu. Il est devenu un ambassadeur efficace pour Christ. Un ambassadeur pour Christ au travers de toute la décapole. Nous allons voir trois choses ici. Trois choses. Oui, le test de la véritable conversion. Le test de la véritable conversion. Chapitre 5, verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Il voudrait être avec Christ. Il ne va plus retourner au sépulcre, il ne va plus retourner aux montagnes, il ne va plus retourner à ses vallées, il ne va plus retourner à ses lieux de ténèbres. Maintenant, il veut être avec le Seigneur, la lumière du monde. Lorsque vous êtes réellement converti, l'épreuve d'une conversion authentique, c'est de vouloir rester avec le Seigneur. Vous allez vouloir demeurer avec le Seigneur. On va à Jean 6, verset 68. Le test d'une vraie conversion. Jean 6, 68. Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous ? Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. À qui irions-nous ? Nous allons rester avec toi. Nous allons demeurer avec toi. Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alors nous avons reçu, alors nous voulons encore entendre plus. Nous allons rester avec toi jusqu'à ce que tu nous amènes à cette vie éternelle. Ça, c'est le test d'une véritable conversion. On va à Jean 8, verset 31. Jean 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Alors cet homme libéré a voulu demeurer avec Jésus pour toujours écouter la parole, analyser la parole, méditer la parole, alors croire à la parole et faire de nouvelles expériences au travers de la parole. Mais si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jean, chapitre 15. Versets 4 et 5. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le
Vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'évidence que vous êtes converti, que vous êtes sauvé, c'est que vous avez un changement de vie et vous êtes assis et vous êtes calme et vous êtes tranquillisé. La méchanceté du passé n'est plus, la violence du passé n'est plus et les stimulants que vous prenez pour vous meurtrir, pour commettre un suicide graduel est ôté. Maintenant, vous êtes une nouvelle créature en Christ. Maintenant, deux, c'est la tâche pour un vrai converti. Si vous êtes réellement né de nouveau, si vous êtes réellement né de nouveau, si vous êtes réellement sauvé, il y a une tâche pour vous. Voyons Marc chapitre 5, 19. Marc 5, 19. Jésus ne le lui permit pas, mais il le dit. Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. La tâche pour les vrais convertis. Jean 4, verset 28. Jean 4, verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Il sortit de la ville et il vint vers lui. Elle a mené beaucoup de gens au Seigneur. C'est notre tâche. Lorsqu'on est né de nouveau, lorsque vous dites que vous êtes enfant de Dieu, lorsque vous dites que vous êtes libéré, lorsque vous dites que vous êtes sauvé, la tâche d'un vrai disciple, d'un vrai enfant de Dieu, c'est que vous alliez raconter l'histoire de la rédemption, que vous alliez parler, proclamer, publier le message de l'évangile. Luc 10, verset 36. Luc 10, 37. Luc 10, 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Où est-ce que l'homme libéré a fait? Qui va et toi fais de même. Où est-ce que la femme au puits a fait? Après son salut, après avoir reçu Jésus, elle savait que voici le Christ, voici le Messie, voici mon Sauveur, voici celui qui donne de l'eau vive. Elle est allée dans la ville et en parler à tout le monde, alors pour que tout le monde vienne. Alors la tâche de vrai converti. Luc chapitre 14, verset 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les champs et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer. Parle-leur, contrains-les d'entrer. Prêche-leur. Alors, contrains-les d'entrer. Alors, dis-leur les grandes choses que le Seigneur t'a faites, que le Seigneur fera de même pour eux. Contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Vous serez un témoin pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Maintenant, troisième partie, le triomphe de la véritable consécration. Le triomphe de la vraie consécration. Il y a des gens qui reçoivent certains avantages du Seigneur et puis ils disparaissent. On ne les voit plus. On ne peut plus les voir venir à l'église. On ne peut plus les voir prêcher. On ne peut plus les voir rendre témoignage du Seigneur qui les a affranchis. Mais cet homme avait le triomphe
d'une véritable consécration. Nous lisons de Marc chapitre 5, verset 20. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole, tous les 10 districts, tout ce que Jésus a fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Lorsqu'il a parlé, il n'a pas parlé comme un fou. Alors, il n'a pas parlé comme un homme forcené, il n'a pas parlé comme un possédé. Maintenant, sa vie a totalement changé, son langage a changé, son aspect a changé. Et il est maintenant bien vêtu, bien habillé, une personne transformée par le Seigneur. Et lorsqu'il a parlé du Seigneur, alors il a été cru. On va à Luc chapitre 8, Luc 8, verset 39, Luc 8, verset 39, la même histoire, mais cela vous dit très clairement ce qu'il a fait et l'impact, l'effet de ce qu'il a fait. Luc 8, verset 39, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Il n'a pas dit que je suis un nouveau converti. Ah, je ne saurais pas quoi dire. J'ai peur d'eux. Oh, je suis timide. Seulement, ce sont les démons qui m'ont enhardi comme un extroverti. Maintenant, les démons ne sont plus. Maintenant, je suis timide. J'ai peur des gens. Je ne saurais pas quoi dire. Mais là, obéis promptement au Seigneur. Vous allez obéir au Seigneur. Et alors, il est allé en obéissance à ce que le Seigneur a dit. Il a publié par toute la ville. A commencé par cette ville. Alors, de ces 10 villes de la Décapole, tout ce que Jésus lui a fait. Voilà le résultat. Le triomphe de la véritable, d'une vraie consécration. Verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Voici les gens qui l'avaient chassé. C'était les gens qui avaient dit que tu as détruit nos pourceaux, on ne veut pas t'écouter. Mais maintenant, parce que l'homme est devenu un vrai ambassadeur à travers toute la Décapole, il attendait Christ et ils ont entendu la parole. Le Seigneur fera de vous un véritable ambassadeur pour Christ. Vous allez déclarer la parole, vous allez publier la parole. Et plusieurs viendront recevoir le Seigneur comme leur sauveur personnel au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un bon amen. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 18. Actes 26, 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Comme tous ces gens ont obéi au Seigneur, nous allons obéir au Seigneur. Acte 11, verset 21. Acte chapitre 11, verset 21. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Nous allons nous disperser de par toute la Décapole, de par toutes nos villes, et nous allons publier ce que Christ a fait.
Christ nous a délivrés, nous allons en parler. Christ nous a libérés, nous allons déclarer cela. Christ nous a sauvés et nous allons raconter cela à tout le monde et partout au nom de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore délivré, cette nuit vous êtes délivré au nom de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas libéré, cette nuit vous êtes libéré au nom de Jésus-Christ. S'il y a un pouvoir, un esprit qui tourmente votre vie, ce soir, tout le pouvoir de tourment est brisé au nom de Jésus-Christ. Si un, deux ou 2000 démons, 6000 démons vous êtes déjà délivrés, votre délivrance est venue. La puissance de Christ demeure la même ce jour. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait pour l'homme là, ce qu'il a fait pour les gens comme eux, de par les siècles, cette nuit, c'est votre nuit, il le fera pour vous. Le salut est venu. La guérison est venue. La délivrance est venue. La libération totale est venue. Et comme le Seigneur vous délivre, vous allez rester avec lui. Vous allez demeurer avec le Seigneur. Et dans votre communauté, partout où vous allez parler de Jésus le Sauveur, Jésus le Guérisseur, le Médecin, Jésus le Libérateur. Et votre message sera cru au nom de Jésus-Christ. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes au travers de vous se tourneront vers le Seigneur. Où êtes-vous? Est-ce que vous allez le faire? Je dis, est-ce que vous allez le faire? Je dis, est-ce que vous le ferez? Tenez-vous debout et parlez au Seigneur. Cette nuit, c'est la nuit de bénédiction, c'est la nuit de libération, c'est la nuit de délivrance, c'est la nuit de salut et c'est la nuit d'une rédemption totale. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Dis, Seigneur, je crois. Oui, Seigneur, je crois. Je suis ici cette nuit. Je sais que tu vas toucher ma vie. Je sais que tu vas me libérer. La libération totale viendra à vous. Si vous lui demandez, il le fera pour vous. Il a encore l'autorité aujourd'hui, l'autorité de Christ sur tous les démons, l'autorité de Christ sur toutes les maladies, l'autorité de Christ sur tous les désastres, l'autorité de Christ sur toutes les difficultés, l'autorité de Christ sur tous les défis, l'autorité de Christ sur tous les pouvoirs qui pourraient vous tourmenter. Ouvrez la bouche. L'homme a ouvert sa bouche. Seigneur, Seigneur, je veux la délivrance. Quoi que quelque chose que le frappe, quelque chose contre disait là-bas, que Christ, qu'est-ce que j'ai à faire avec toi? Quitte ici, c'est le diable. Mais le diable va sortir. La puissance maléfique là va sortir. La puissance qui fait de vous une double personnalité. Vous venez, vous voulez me repartir. Vous levez, mais vous voulez partir. Alors vous voyez Christ, vous voulez fuir Christ. Et vous, mais vous voulez quelque chose de bon. Alors vous voulez encore quelque chose de mauvais en même temps. Alors, la chose mauvaise là qui fait de vous une double personnalité, tout cela va quitter votre vie cette nuit. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur, il le fera. Que le Seigneur vous affranchisse. Qu'il brise le joug dans votre vie. Qu'il détruise la chose mauvaise dans votre vie. Les démons vont fuir votre vie cette nuit. Les choses dangereuses dans votre vie vont fuir cette nuit. Ces choses qui veulent détruire votre vie, qui veulent détruire votre futur, qui veulent détruire votre éternité et vous faire passer l'éternité avec les démons, ces choses vont disparaître cette nuit. Invoquez le Seigneur, il sauve. Invoquez le Seigneur délivre. Invoquez le Seigneur, alors il pardonne. Invoquez le Seigneur. Le Seigneur vous délivrera. Et de votre tête jusqu'au bout de vos doigts, votre tête, votre cerveau, votre esprit, votre vie entière, votre âme, votre personnalité, le Seigneur vous délivrera ce soir. Y a-t-il de péché dans votre vie? Il faut vous en repentir. Alors, Ne permettez pas Satan de détruire votre vie, de vous ruiner. Ne permettez pas Satan
de détruire votre occasion d'être sauvé. Le Seigneur va vous pardonner si vous vous repentez. Y a-t-il un pouvoir qui vous empêche de bien vivre? Le Seigneur va le chasser. Y a-t-il un pouvoir qui vous dérange de mener une vie de justice? Le Seigneur va mettre fin à cela ce soir. Y a-t-il un pouvoir qui rend le péché si fort, qui rend le démon si fort? Un pouvoir maléfique si fort, une mauvaise habitude si grande que vous ne pouvez même pas en être délivré. Cette nuit, c'est pour vous. Amenez ce problème, amenez cette personnalité au Seigneur en prière. Le Seigneur vous délivrera. Une bonne vie va venir. Une nouvelle vie va commencer. Une belle vie va émerger. Un nouveau comportement va commencer. Une nouvelle activité dans votre vie. Vous serez calme. La violence s'en ira de votre vie. La méchanceté s'en ira de votre vie. Vous aurez la puissance sur tout péché. Vous aurez le pouvoir sur toute chose qui avait la domination sur vous. Christ est capable. Invoquez-le. Il est un puissant sauveur. Il est le puissant libérateur. Il est un puissant rédempteur. Il vous affranchira. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera délivré. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera affranchi. Il vous affranchira. Il vous affranchira. Il vous affranchira. De toutes choses mauvaises, il vous affranchira. Vous affranchira de tout péché. Vous affranchira de toutes les chaînes. Vous affranchira de tous les fers. Il vous affranchira de tous les défis difficiles de votre vie qui ne vous permettent pas de bien mener votre vie. Il vous affranchira. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple victorieux de Dieu crie Amen. Et que le peuple de Dieu qui est dans la tente crie. Que le peuple victorieux de Dieu crie Amen. Vous allez rentrer chez vous avec la victoire. Vous allez rentrer chez vous avec la libération. Vous allez rentrer chez vous avec la guérison. Vous serez plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Et la crainte qui a cloué votre vie, je vous dis que vos chaînes sont brisées. Comme vous irez raconter l'histoire et propager la nouvelle au sujet de Christ le Sauveur, au sujet de Christ celui qui guérit, au sujet de Christ le libérateur, au sujet de Christ le rédempteur, vous allez proclamer cela avec confiance et assurance au nom de Jésus-Christ. Et les gens à qui vous parlerez, le Seigneur va rentrer, va pénétrer leur cœur avec la parole. La parole de Dieu aura l'impact, l'effet sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Je serai un ambassadeur. Où êtes-vous? Je serai un ambassadeur. Où êtes-vous? Vous le serez. La parole de Dieu va prospérer dans votre bouche au nom de Jésus-Christ. Levez les mains. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as donné le nom de Jésus. Et à la mention de ce nom, tout genou fléchit et tous les démons vont fuir. Toutes les maladies seront guéries. Seigneur, nous venons contre tous les démons, contre toute la légion, contre toutes les maladies, contre toute oppression, contre
tout esprit et nous commandons quitter ici au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que ce démon de mauvaise habitude, ce démon de péché habituel, ce démon de drogue, ce démon de meurtrissure, de suicide et de suicide graduel, je te commande, sors de leur vie au nom de Jésus-Christ. Et quelle que soit la puissance maléfique qui opère dans une vie pour faire les choses mauvaises, le mal, je prends l'autorité sur ce mal au nom de Jésus-Christ. Vous êtes déliés. Vous êtes affranchis. Vous êtes complètement libérés. Que puisse le Seigneur vous affranchir tous au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui ont la haine contre la parole de Dieu, inconsciemment, inintentionnellement, sans aide, ils se sont amenés à penser aux pourceaux, aux choses matérielles plus importantes que leur âme, plus importantes que leur salut, plus importantes que le sauveur. Alors ils ne savent pas qu'ils sont en route vers la perdition, vers l'enfer. Seigneur, je prie que tu les délivres de cet antagonisme au nom de Jésus-Christ. Délivre-les de la haine qui va les détruire. Délivre-les de la persécution qui va les détruire. Délivre-les du renvoi de Christ et de leur vie qui va les détruire. Sauve-les au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle vie pour tout le monde. Une vie paisible pour tout le monde. Une vie raisonnable pour tout le monde. Une vie de justice pour tout le monde. Au lieu de la violence, qu'il y ait la paix. Au lieu de la méchanceté, qu'il y ait le calme. Je prie, Seigneur, que l'évidence d'une véritable conversion soit exhibée et démontrée dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Révèle-toi dans chaque vie. Révèle dans chaque vie l'évidence de la véritable salut et donne à tout le monde la passion, le désir d'exécuter la tâche d'un vrai converti au nom de Jésus-Christ. Et comme on sort qu'on a l'occasion de parler aux gens et qu'on parle de Christ le Sauveur, Christ celui qui guérit, Christ le Rédempteur, Christ est celui qui nous a tout fait. Je prie que notre message de rédemption soit cru par les gens à qui nous parlons au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que plusieurs sortent de leurs péchés, que plusieurs sortent des ténèbres, qui sortent de leur cachot, qui sortent de la captivité, qu'ils viennent à Christ, le Seigneur, comme leur sauveur au nom de Jésus-Christ. Comme ton peuple rentre chez eux, va avec eux. Que la joie du salut les accompagne. Que la joie de la libération les accompagne. Que la joie d'être plus que vainqueur les accompagne. Et que le triomphe de la consécration accompagne tout le monde. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de